Monsieur le ministre de la Culture et des Communications. Merci, Madame la Présidente. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec la députée de Robert Baldwin, le député de Jean Lesage, le député de Matane-Matapédia, la députée de Vaudreuil et le député d'Arthabasca. Que l'Assemblée nationale souligne l'importante contribution de l'animateur Gino Chouinard, qui est avec nous aujourd'hui, après 21 ans d'animation de Salut Bonjour. Qu'elle reconnaisse que depuis près de 25 ans de nombreuses tribunes, il démontre des qualités exceptionnelles de communicateur et une sincère gentillesse envers les téléspectateurs. Qu'elle mette en lumière la grande rigueur avec laquelle il mène toujours ses interventions, autant à la télé qu'en affaires, le tout avec une bonne humeur contagieuse. Qu'elle note par ailleurs son engagement soutenu envers de nombreuses causes, notamment celle des jeunes en difficulté. Qu'enfin, il profite de son départ de Salut Bonjour pour le remercier pour son importante contribution au rayonnement de la culture québécoise et lui souhaiter bonne chance pour ses futurs projets. Monsieur le ministre, est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion, Monsieur le leader adjoint du gouvernement? Absolument, Madame la Présidente. Il y a consentement pour un débat de 2 minutes par intervenant dans l'ordre suivant. Le ministre de la Culture, la députée de Robert Baldwin, le député de Jean Lesage et le député de Matane-Matapédia. Merci. Donc, il y a consentement pour un débat de 2 minutes par intervenant. Nous allons débuter par Monsieur le ministre. Allez-y, Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Faire partie du quotidien des Québécois pendant plus de 2 décennies est un magnifique cadeau de la vie, mais aussi un immense privilège, et M. Chouinard s'en est toujours montré à la hauteur. Jour après jour, il s'est levé aux aurores pour accompagner le public dans son rituel matinal. Pour l'avoir fait pendant quelques années à peine, je sais à quel point c'est exigeant. Imaginez le faire pendant plus de 20 ans. Jour après jour, pourtant, il a tenu la barre de Salut Bonjour avec rigueur et avec une bonne humeur contagieuse. Si Gino Chouinard est aujourd'hui l'une des personnalités les plus aimées du Québec, bien c'est donc justement grâce aux liens qu'il a su développer avec les Québécois. Dès le début de sa carrière à TVA en 1989, il a démontré des qualités exceptionnelles de communicateur, mais aussi, beaucoup l'ont souligné, une sincère gentillesse avec le public puis envers son équipe. Au-delà de la télévision, il s'est aussi toujours investi à fond dans ses autres passions, comme copropriétaire de boutiques, chocolat favori notamment, en dépit de ses horaires, on imagine déjà très chargés. Comme collectionneur d'art également, certains ne le savent peut-être pas, c'était mon cas, mais Gino Chouinard est un grand amateur d'art, il a déjà même possédé une galerie. Toutes ses occupations ajoutées à sa vie familiale auraient bien sûr pu lui suffire, mais non. Il trouve aussi le temps de s'engager auprès des jeunes, notamment comme porte-parole de la Fondation du Centre Jeunesse de la Montérégie depuis plusieurs années. Je pense aussi au grand spectacle pour venir en aide aux sinistrés de Lac-Mégantic en 2013, une région à laquelle sa famille et lui sont d'ailleurs très attachés. Monsieur Chouinard, dans quelques semaines, vous quitterez l'animation de Salut Bonjour. Après, on le disait, plus de 20 ans. Au nom de tous les Québécois, je tiens à vous remercier de votre importante contribution au rayonnement de la télévision québécoise. Certainement que votre présence quotidienne va nous manquer, mais vu l'extraordinaire dynamisme dont vous avez fait preuve depuis le début de votre carrière, il y a 35 ans, bien, personne ne sera surpris de vous revoir très bientôt dans de nouveaux projets. Je suis convaincu que la population québécoise, d'ailleurs, sera au rendez-vous. Puis, je suis convaincu que votre famille, de qui vous parlez si souvent avec beaucoup d'émotion, qui est avec vous ici aujourd'hui, sera heureuse de vous retrouver peut-être un peu plus tôt le matin et un peu plus tard le soir. Merci et félicitations.